Tiens, je suis dans le mauvais dossier juste pour ça. Banzai! Epic fail. Magnifique. Ah. Bon, je jouais Minecraft Arena ici, c'est LB35 et... Non, rien. What? Et c'est Mister Phanax. Et Joris. Et Joris. N'oublions pas Joris. Le bras vendeur de kebab, mais il n'y a plus de poulet rôti. Mais ce problème va être résolu par la nouvelle machine que j'ai construite sur la montagne, qui devrait normalement faire des poulets rôtis toute seule. On a beaucoup farmé et je crois bien que maintenant on a des underpearls. On en aura on en a à peu près le strict minimum pour aller trouver son gold. Il nous manque juste les blaze rods, on en aura plus je crois, enfin ou bien du moins je sais plus où on nous a rangés. Donc ça va être une dernière petite expédition Nether sur cet épisode. Et attention, après, normalement sur l'épisode suivant qui devrait sortir excessivement plus tard, on essaiera de vous faire attendre un minimum. Ce sera l'Ender Dragon. Pourtant la série ne sera pas finie, la saison 2, car moi je devrais toujours faire mes achievements. Donc pour les autres membres de la team ça va être un peu impossible de tout faire. Le pire que, c'est que mes achievements à moi ils bug. Il faut déjà qu'on locate The End, comme il dit, on n'a pas encore The End pour l'interrogation. The End, on va la voir. The Beginning. Oula. Ouais, c'est assez compliqué. Adventuring Time. Ah oui, il y a des achievements que je connais même pas là-dedans en plus. Il y a aussi Sniper comme achievement qui est sympa. C'est Sniper Duel, oui, mais moi je l'ai déjà. Repopulation. Ouais, Repopulation. Voilà, la machine de Joris, c'est fonctionnel. Ouais, être obligé de reproduire des... Ouais, il y a encore 2-3 trucs à faire. Toujours voilà. Est-il que... toujours est-il qu'on va dans le Nether et que Mr. Phanax m'accompagne... Hashtag hello. Dans l'eau, c'est bon. Ah d'accord, carrément. Mr. Phanax m'accompagne, j'ai dit. Je vais pas comme tout ça, s'il te plaît. Ça va être l'occasion aussi de vous montrer une petite construction que j'ai faite. À moins que j'ai fait en épisode, Je sais plus si j'ai fait un épisode ou hors caméra. Mais bon, bref. Si c'est hors caméra, la voici. Si c'était pas hors caméra, bah la voici pas. Peut-être que si, ça dépend. En fait, on s'en fout un peu. Et maintenant, il va falloir retrouver la forteresse qui est à 300 millions de kilomètres. Je sais même pas si j'y suis déjà allé à cette forteresse. Je crois pas. Si, j'y ai déjà allé une fois. Ah. Ou bien alors, j'y suis allé sur un épisode de côté là. Non, je suis pas sûr. Si, Moi j'étais en... Je cherchais le Stronghold, mais je crois pas que j'étais là quand... Le Stronghold. De toute façon, le Nether, c'est pas mon truc du tout. Tu veux dire la forteresse? Pourquoi j'ai dit le Stronghold en plus? C'est parce que je veux le Stronghold. Mais non, c'est la forteresse. De toute façon, on aura bientôt assez d'Underrail pour aller le repérer. T'inquiète pas, on touche au but. Après ces heures de farming intensif d'Underman qui nous ont remporté même pas une Underpearl par nuit, on va enfin pouvoir le retrouver. Mais au prochain épisode. Et de toute façon, il nous manque l'objet essentiel pour le crafter, vu qu'on se focalise là-dessus. Un objet beaucoup plus simple à avoir, mais que du coup, il va falloir repérer la forteresse quand même, du hasard. Et je sais pas du tout quel totem suivre, je crois que c'est la cobble, sauf que je sais plus où est la cobble. Si quelqu'un s'est amusé à casser la cobble... Il y avait la cobble là-bas, je crois. Il me semble, la dernière fois que je suis allé. Allez, donc le champ de ça. Sauf que ouais, du coup oui, normalement il est censé être cassé. Sauf que là il l'est pas, c'est parce qu'on a fait des petites erreurs de l'autre de la save. Quand on la dernière fois qu'on est. L'autre fois qu'on est allé dans les heures, ça fait déjà une quinzaine d'épisodes de ça, mine de rien. Je vois pas pourquoi je dis la dernière fois, vu que c'est loin d'être la dernière fois. Sinon en fait je le dis dans chacune de mes vidéos, je me suis dit sur le défi Minecraft que j'ai tourné aujourd'hui, mais bon. J'ai lancé ma chaîne solo, hein. Allez voir. Mais bon, je préfère le dire sur toutes les vidéos pour que les 50 abonnés aillent s'abonner à ma chaîne. Parce qu'être pistonné dès le début, c'est sympa. Pour ça qu'il faut créer une chaîne de team d'abord. Après, quand t'as assez d'abonnés, tu crées ta chaîne solo, tout le monde s'abonne, tu délètes la chaîne de team, et voilà, t'as la gloire, le fric et la coke. Carrément, ouais. Wesh. So much cocaine. So much cocaine. Ils ont commencé sur YouTube avec quelques cubes. Nanana. Je dis pas les paroles parce que c'est une chaîne tout public. Les abonnés à Wanky Studio.
comprendront la référence. Je pense à Dovakin53K, likez cette vidéo. Qui a liké cette vidéo? Pas celle-ci, mais celle de cette chanson que je, de celle de cette parodie que je suis en train de parodier. Tu as liké cette vidéo. Tu as liké cette vidéo. Tes paupières sont lourdes. Attends. T'abonnes à la chaîne Minecraft Team. Minecraft Team. Tu t'abonnes à CLB35. Team. Oui, je dis n'importe quoi. Non, mais sérieusement. Non, mais il y a un truc qui est sympa, c'est faire de surenchères pour faire des Chuck Norris facts. Genre, Chuck Norris a liké cette vidéo. 3 fois. Avec un seul compte. Et avant qu'elle ne sorte. Oh! Et bah, vive Chuck Norris! Je suis level 34 perso, et where are you? Ah, you are here. 34, moi je suis level 19. En même temps, si je fais des systèmes redstone à la con pendant que tu tues des gens. Ouais, il a fait des systèmes redstone à la con en plus. Le redstoneur, c'est Mr. Fanax. Pour la première fois de ma vie! Allez, c'est par là. C'est juste pour la gloire de Joris Industries, c'est tout. Ouais, Joris Industries, le golem Joris. Hein. On l'aime bien. On retrouvera dans MVO saison 3. Ah oui, mais on n'en dit pas plus sur MVO saison 3, même si je pense déjà avoir révélé le concept sur un autre épisode. J'essaie de ne pas trop en dire sur MVO saison 3, ce sera une semi-surprise. J'espère qu'on va dans la bonne direction, par contre. Mm-hmm. Au pire, on sera perdu dans Nether pendant 30 minutes, et tout le monde va rage quit, et puis tout le monde va disliker la vidéo. Ils sont de chance qui arrange. Ils ont commencé. Je vais faire... Voilà. Quartz. XP, quartz. C'est vrai XP. qu'il faudrait que je mette au moins 2 enchantements là sur mon set d'armure complet. J'ai mon casque et puis c'est tout. Ouais, tu devrais faire comme moi. Protection ben contre les explosions. Tu fais comme Ben 13 en fait. Bon, level 20, ouais. On level va pas aller très très loin. On va aller relativement loin. Surtout si je passe level 34 avec un autre pion de quartz. Bah avec l'arc Infinity, là, ça va être... Voilà. Contre l'Ender Dragon, ça va être pas mal. L'Ender Dragon. Oui, parce qu'en fait, il s'est persuadé que l'Ender Dragon était une femelle, mais enfin bref. Bah en même temps, je suis désolé, mais est-ce que les mâles pondent des œufs, hein, d'après vous ? Je rappelle, sur Skype, il met tout le temps dans son humeur les des petits trucs de Minecraft qui font réfléchir quand même, parce que... Une fois, je me souviens, tant de dragons orphelins. Tellement bon, là, vrai, j'ai mis Smiley content hein, récemment. Une autre fois, il a mis Creeper plus squelette égale orchestre, enfin l'inverse. Ça, c'est un escalier comme je l'ai fait et comme je les aime. Par contre, je te conseille de pas tomber parce que j'ai pas mis la game rule. Waouh. Moi j'ai bientôt plus de pioche donc je vais faire gaffe. Ouais, c'est un cheater. J'ai encore 500 blocs minés si ça va. Alors. Et il m'est passé devant pendant que je faisais F3 plus H, l'enfoiré. Point, 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 point. Point, point, point. C'est stupide. Point. Point, point, point. Je t'aurais, Mr. Hein. Phalax. J'ai la carte PVP. Par c'est contre, on n'active pas le PVP parce qu'une fois, on était 4 dans la forteresse. Avec Démonstration avec le cheater, Dovakin, le mec qui respecte les règles et qui essaye de faire comprendre à ses autres potes que c'est pas la peine de rager. Falaval, le rage cheater. Et après... donc du coup c'était le bordel, surtout qu'on avait aucune game rule. Donc du coup ça a mal tourné. Depuis le coffre Nether est devenu coffre Nether plus stuff à l'aval. Une plume. Oui, cette main est très moche, mais bon, à chaque fois qu'on va à la forteresse, on fait une nouvelle tour en cobble sur la main. Donc... ouais, d'accord. Ah, MVO a ses défauts. Hein. Bah, de toute façon, quelles sont les qualités de MVO, concrètement? On les a jamais citées, mais est-ce qu'il y en a?
C'est pour ça qu'on a jamais essayé de les citer. Parce que sinon, les gens se seraient rendus compte de quelque chose. Je l'ai complètement pris quand je rigole, c'est ça fait juste pitié. Et ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça. J'espère que l'épisode Best of Farming vous a plu tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, la semaine dernière. Parce que j'ai commencé le montage là donc. Ouais, mais il est pas publié tout de suite le Best of Farming non. Parce qu'il y en a d'autres avant. Ouais, il y en a 3 ou 4 avec toi. J'ai fait le montage, je vais bientôt publier celui avec avec RQ. Qui est là depuis 3 ou 4 semaines. Ah hein, oui, ah oui quand même, il y en a déjà pas mal. Il y en a quand même pas mal à publier pour l'instant. Ouais, enfin, pour vous, cela n'a plus aucun sens, vu que quand vous regardez cette vidéo, tous les autres sont publiés. Mais... Ouais, mais on se comprend parce qu'on fait ces vidéos pour le fun et pas pour les viewers. Qu'est-ce que tu disais juste avant avec la chaîne CLB35 et avoir plus d'abonnés, plus de millions, etc. Non, on a fait cette chaîne pour... On était une team déterminée à partager notre plaisir de jouer sur une chaîne. C'est ce qu'ils disent tous, mais c'est un complot du gouvernement. Ouais, non, mais non, j'avoue que quand je reçois un nouvel abonné, je suis content et que dès que je vois que quelqu'un se désabonne, je me dis « Oh, censure, c'est encore Baban qui rage. » Non, au secours, pourquoi j'arrive pas à remonter? Bon. Par contre, je flambe, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Tu n'as plus d'armure. Je vais remettre, mais tu as une armure. La durabilité. Mais j'ai plus de 3 cœurs. 2 cœurs. Ah, 2 cœurs. Un cœur. Tu veux des côtelettes? Un cœur. Arg. Ah, je vais crever. Ah, oh, un demi-cœur. Oh. Et là, je te tape. Non, et le... Ce serait tellement n'importe. J'ai activé le PVP pour éviter ce genre de conneries. Ah, bon, bah dis donc, c'est pas passé loin, là. Ouais. Faites attention avec la lave, les enfants. Sauter dans la lave comme un con, ouais. Bon, j'ai 4 sacs 2 sur moi, mais estimez-vous heureux, ce n'est pas beaucoup, j'ai souvent plus. 4 stacks 2 des Oh, tu la mettras dans la machine de Joris. Ou pas. Je coopère pas du tout. Non, faut coopérer. Oh, mais c'est pas possible. Ah oui, non. D'ailleurs, tu me disais que c'est bien encore. D'ailleurs, là, t'avais dit... Novakin, ah oui, c'est vrai. Novakin, il en va comme une mine. Non, je cherchais juste une rime à la con. Ah, c'est bon, d'ailleurs, il avait liké cet épisode, que d'ailleurs je vais appeler Re-Re-Nether, cet épisode-là, parce que du coup, oui, j'avais appelé l'autre épisode Re-Nether, Tobakin l'avait liké. Je me souviens, je sais plus si c'était celui-là ou... Non, c'est l'autre Nether avec la bande, là. Il m'a dit plus tard qu'il l'avait liké, il était minuit, il dormait, il savait pas quoi foutre, il a regardé un MVO, parce que ça passait le temps, et qu'il aimait bien ça. Bon, bah voilà. D'ailleurs, Dovakin, si tu regardes cette vidéo, coucou. Salut. Mince, pourquoi le streaming Twitch se lance, et encore? Je vais changer la touche. Un live de CLB35 en exclusivité. Le pire, c'est que si quelqu'un est sur Twitch à cette heure-là, ils auront vu quelques secondes de stream. Malheureusement, ça bug. Oh, un Blaze. Bonjour. Où ça? Là-bas. Ah oui, au fait, on est arrivé à la forteresse. Et non, attends, t'as pas une flèche? Je les ai mises dans le coffre. J'en ai une. Non. Et je la garde pour moi. J'ai un arc qui ne sert plus à rien. Bah, tu sais, si on croise un squelette blanc, il y en a parfois dans les heures. Ouais. Oh, parfois. Personnellement, j'en ai jamais vu. Moi j'en ai vu. Bah si, donc... on en a vu une fois, c'était à l'épisode Renaiser. T'as pas une plume? Je vais me faire une plume et un silex, non? Hein? T'as pas une plume et un silex? Vraiment? Une plume, j'ai. Ah, une flèche, j'ai, mais bon, elle est pour moi. J'ai une plume, mais pas de silex. T'as du gravier, non? Du gravier, il y en a parfois dans le laser. Bon, on fera ça. Novakin, Novakin. Regardez comme mille mythiques, fantastiques. Épisode magnifique. Épisode dédicace à The Tovakin 53 ainsi qu'à tous les autres hein, qu'on ne voit quasiment plus malheureusement sur la chaîne. Ils sont à d'autres occupations, les pauvres. On les voit plus souvent, c'est dommage. Si vous regardez cette vidéo, les gens, n'oubliez pas de revenir un peu, seulement pour l'épisode Dragon, le prochain.
Oh, oh, shit. Pourquoi ils mettent un panneau spawner alors que il y a un énorme spawner ici? Spawner! Je tape avec l'épée au ras de feu sur les blazes. Est-ce que je ferais pas mieux d'économiser avec l'épée Sharp 2 un peu plus usée déjà? Ce serait plutôt un truc avec avec de l'eau dedans, pas du feu. Enfin bref. Les œufs ça marche pas, mais si j'avais eu des boules de neige, je m'en serais servi là pour le coup. Spawner. Ouga, 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 ouga. Anne. Ah et 5, vite. Ah, les potions de résistance au feu, on n'y a pas pensé. Oh, deux blaze rods. Mais je crois qu'elles sont tombées dans la lave, alléluia. Non, deux blaze rods. Le gars qui a gardé les blaze rods dans son inventaire. Oh, quatre, pardon. 4 en ce qui me concerne, et je crois que je vais crever si j'arrête pas vite de flamber. Voilà, c'est bon. Oh, alors... moi c'est safe. 5 blaze rods, c'est bien. Bon, on en a peut-être assez en fait. Non, moi j'en ai 4 perso. Ah bah, 9, c'est pas suffisant, 9. Bah, on va rester un peu plus longtemps dans le nether, juste histoire de meubler. Juste histoire de pas avoir l'impression d'avoir fait tout ce trajet pour rien. Ouais, exactement. Pas mal. Là, direct dans mon inventaire, la classe. Pourquoi est-ce que j'ai déposé mes flèches? Eh oh. Derrière toi, un blaze. Mais n'importe quoi, c'est une blague. Derrière toi, je te dis. Mais non, c'est rien. Hashtag cliché de films et de dessins animés. Ah, derrière toi, il y a un fantôme. Ah, bien sûr. Ah, derrière toi. Ah, derrière toi, il y a un monstre. Ça marche plus, tes conneries, là. Non, je te jure, derrière toi. Ah, il croit m'avoir comme ça. Vous êtes mort. Aïe. Je vais me faire éjecter de la forteresse, là. J'aurais été un peu mal. Non, eh oh, il est où? Ah oui, parce qu'il vole, lui. Bah, Blaze, ça vole. Avec ses pouvoirs psychiques, n'importe quoi. Moi, je dis que les Blaze ont été inventés par un mec qui travaillait chez Mochamp, qui était belge. Un belge immigré en Suède. LOL. Aïe. Je suis sûr que celui qui a travaillé sur la conception des Blaze chez Mojang est un immigré suédois à la base belge. D'accord. C'est une opinion. Bon, c'est la fête du Blaze, la fête du Blaze. Bah après tout, c'est vrai que, je veux dire, un mob volant jaune avec des frites qui tournent autour de lui, qui loot ses frites quand il meurt. En parlant de ça, 16 frites, c'est bon là, non? J'en ai 6, personnellement. Et toi, j'en ai 16. Bah ok, on rentre. Ça va. Là, j'ai... Ah bah, en même temps, j'ai buté un 2 sur Excalicube. J'avais pas vu. Ah, t'as looting 2 sur Excalicube. Enchant 3, aura de feu. Aura de feu 2 et butin 2. C'est quand même une bonne épée. Hein. Tiens, un petit panel de lave. Eh, on rentre? Eh, est-ce que Keep Inventory est toujours là? Est-ce qu'il y a toujours Keep Inventory? Voilà. Oui. Pourquoi? On peut sauter dans la lave? Ouais. Allez, dans la lave, youhou! On prend chacun. Non, l'armure! Je suis en train de péter mon armure, oh super! Bon, c'était la meilleure idée du monde. J'avais encore 6 underpearls sur moi, j'avais oublié de ranger le coffre, c'était prudent ça. Allez hop! Allez! Non. Et voilà, j'ai 6 yeux d'under, je vais mettre au coffre. Hop! Bah voilà, ça, là il y a Mass Bane Rod, c'est bon! Voilà, il y a encore ça. Il nous faudra peut-être encore 2-3 underpearls, on va voir. Là on a le strict minimum, après si on a de la chance, mais bon, faudra sans doute d'autres. Mais le jour oh, bon, la dernière fois que j'ai... What? Un Enderman qui se promène sur un arbre. Eh, mine de rien... la dernière fois que je suis allé chercher un portail de l'Ender, j'ai eu besoin de 2 perles. Elles se réutilisent assez facilement, c'est bien. Ouais, au fait, le jour se lève, et on a un bon timing, car c'est déjà la fin de l'épisode. Eh oui.
Et donc, on va arrêter le record ici, on va encore s'amuser peut-être un petit peu sur la map hors caméra. Perso, je préfère éviter de filmer, je suis désolé, c'est des scènes best-of qui passent du coup à la trappe. Mais j'ai plus assez de place sur mon PC, malheureusement. J'ai le montage d'épisodes best-of à faire, et puis ça dure, c'est plus d'une heure et demie de record. Donc, tout est bien, vu le poids des rendus Fraps, 1 giga pour 2 minutes de vidéo, que la mémoire elle part vite. Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Soyez tous présents au rendez-vous ultime contre Ender Dragon. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, machin. Je vous dis au revoir. C'était CLB. Salut.